Champernet. Alors Champernet, c'est famille, c'est un chant, c'est un très beau chant des PNM, un chant d'amour, un chant d'amitié, un chant de paix qui dit que les hommes doivent retrouver le moyen de s'entendre, de se parler entre eux. La parole est à Jean Lassalle. Merci Madame la Présidente de laisser un peu de sursis à chacun des orateurs. Je veux dire qu'il y a une bonne nouvelle, malgré tout Madame la Ministre, dans votre projet. C'est le renouveau de la jeunesse française. Et je suis de ceux qui se félicitent de Nuit debout, de ce merveilleux film Merci Patron, parce que c'est sur ces bases-là, je pense, que la France doit retrouver le chemin et du travail et de l'entente et d'une certaine ferveur, une certaine confiance en elle-même. Mes chers compatriotes, c'est depuis le village où je suis né que je souhaitais m'adresser à vous. Le village où ma mère vit toujours et où mon père, un berger, est enterré. Et j'ai commencé moi-même dans la vie comme berger. J'ai été le maire de ce village de l'odieux si cher que j'aime tant et qui m'a tout donné. Des racines, une conviction, la force de la terre. Je suis député de la République depuis 15 ans. J'ai perdu une élection. Cette charge est de l'honneur. Mais je dois aller plus loin que la menace, plus loin que ce béarn et ce pays basque que j'ai tenté de représenter. Depuis que je suis élu, je n'ai eu de cesse de défendre les intérêts de mes concitoyens. À l'Assemblée nationale, je me suis opposé au projet de fermeture d'une gendarmerie dans ma vallée, en interrompant le ministre de l'Intérieur. Je suis ensuite venu à votre rencontre, vous, les Français, de toutes origines et toutes conditions, à travers une marche de 9 mois qui m'a porté aux 4 coins du pays. Je me suis mis à retrait de ma politique, à retrait de ma famille, et j'ai marché. Marché pour entendre, marché pour rester au contact des citoyens, des enfants, des travailleurs, et des chômeurs, des immigrés, des femmes et des hommes de bonne volonté de tout le pays. Marcher pour entendre la désespérance des Français face à la surdité des élus. Nous appelons Georges. Vous voulez pas conserver, nous appelons Georges à qui? Je comprends l'abstention, je comprends la volonté du vote désespéré. Mon cœur ne peut l'accepter. J'ai voulu, à travers cette marche, poser l'acte d'un combattant. Oui,
je veux retenter la France. Je veux retenter la France pour que ce mouvement, bienveillant, chaleureux et bientôt joyeux, reprenne ma route. Avance d'un même pas, dans une même direction, pour toucher un jour à cet objectif sublime, le moment où l'homme retrouve l'homme. Voilà, voilà le rendez-vous auquel je veux me rendre, avec celles et ceux d'entre vous qui voudront bien m'accompagner. De la présidence de la République française.